Salut les potes, c'est Zero, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Evil Within. Je lance le jeu, on se retrouve tout de suite, à toutes. Je peux pas ouvrir ici? Non. Non, c'est parce que c'est là que je suis venu, je sais pas. Tais-toi. Non mais ne réponds jamais, ne parle pas. Bon les potos, viens, arrête de tous. Dépêchons-nous de filer d'ici. J'ai dû voir un truc pas propre, donc je pense que ce qu'il va falloir faire, peut-être tous les attirer. Brûler la flaque. Et peut-être qu'après on est sorti d'affaire, je sais pas. Ok, ils se réveillent tous. Viens, poteau. Allez, venez tous là. Allez, venez. Allez, venez. Plus vite. Vas-y, brûle là, putain! C'est incroyable ça, de se laisser faire comme ça. Bon, on l'a plutôt bien joué, j'ai pas gaspillé une seule munition, c'est très bien, c'est parfait même. Ruvik, je sais plus qui c'était Ruvik au début de l'histoire, je vais re-regarder les premiers épisodes peut-être. Putain, on n'y voit pas à 2 mètres là, tellement c'est sombre. Et ici, il y a quoi? Ce qui est bien, c'est que mon collègue, il a l'air d'avoir des balles à l'infini. C'est plutôt pas mal ça, je vais plutôt le laisser tirer maintenant. Voilà. Salut poteau. Voilà, tu penses être réveillé toi. Il est où mon pote? Je sais pas où est parti mon pote. Ah, il est là. Bah alors tu fais quoi poteau? Tu t'endors? Moi je comprends que t'aies peur, j'ai peur aussi mec. Non mais, ah il est là. Putain le gars est tellement immobile, on pourrait croire que c'est un meuble. Viens! C'est toi qui viens? Ah ouais. Magnifique. Un peu de tension mais ça va. Voilà alors une porte des plus blindées. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi poser une bombe comme ça? T'as un moyen de t'en débarrasser? Recule. Je vais tenter de la désamorcer. Te fais pas péter, gros. Pas toi, gros. Meurs pas maintenant. Ah, t'es trop fort. À la porte du bonheur, palabala, chat. T'es trop fort. Je te kiffe. T'es un bon. J'aime bien, t'es bien habillé, t'es aussi bien habillé que moi. Mais c'est quoi ce bruit? Je croyais que c'était électronique. Oh! Non, poteau, je t'ai dit que je t'aimais bien juste avant, fais pas ça! Ah.
Oh mec, ça va mieux? T'avais pas l'air bien là, sur le Joseph, coup. Après Conley, j'ai cru que... Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je me sentais pas très bien, mais... Écoute, on doit sortir de là. C'est pas normal ce qui se passe ici. Ouais. Si c'est que maintenant que tu te dis, poteau, que c'est pas normal ce qui se passe ici, c'est toi qui es pas normal ici. Parce des choses pas normales, j'en ai déjà vu. Enfin, des trucs légers, mais ça, non. C'est même pas normal, ça. C'est paranormal, gros. Si. Non, mais tais-toi, tu sais pas ce que je veux dire. Et arrête de tousser, tu me fatigues. Ça va, je vais bien. Ouais, alors viens, arrête de tousser. Putain, l'échelle interminable. Viens, moi j'avance pas sans toi, viens vite. Tu me rassures. Toi t'as un chargeur, il est aussi magique que la situation dans laquelle on est. Ah, je vais pouvoir sauvegarder. Oh, j'ai de quoi. On a plus beaucoup de temps. J'ai de quoi m'équiper un petit peu. Là, on s'en blague, on n'a pas beaucoup de temps, pourquoi tu dis? Moi, tu sais, le temps, là, je le compte plus, hein, il m'arrive que des merdes. Là, y a rien à prendre, j'ai rien à lire. Normalement, à chaque fois que je vais ici, j'ai un truc à lire, non? Ok, nous revoilà là. Yes, j'ai mon coéquipier toujours. Peut-être une petite tête, je sais pas, une petite tête sympa quoi. C'est peut-être parce qu'on a les mêmes lunettes, poteau. C'est peut-être ça. Je m'en souviens maintenant. Point de contrôle direct à la porte, donc attention, qu'est-ce qui va se passer? Oh là! Kidman! Faites-moi sortir de là! Attends une seconde. C'est encore un piège. Regarde. Ah ouais, mais moi je sais pas comment faire ça. Oh là. Il est bien plus élaboré. Oh putain! Non mec! Oh, il est pas mort. Et il meurt pas, je vais vous sauver les poteaux. Joseph, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Vas-y, cours, mec. Ça va mieux de rappliquer. Bon, ça commence bien, j'ai le son qui bug. Hop là. Headshot. Brûle aussi. Voilà. Headshot. Encore beaucoup de ces horreurs. Aïe. Ok, un petit comme ça. Jouer comme ça. Vous les tous. Voilà, ça c'est bon ça. C'est la fin. Et toi maintenant, je fais quoi ici? On est bon. Vas-y, je fais quoi toi? Oh, Saras,
Je me suis fait exploser. Vas-y, poteau, je suis chaud, là. Est-ce qu'on peut m'aider? Non, poteau, on peut pas t'aider, là. Fais avec, c'est tout. Parfait. Très bien, vas-y. Brûle. Là, il y en avait un qui avait une... Voilà. Prends la hache. Des explosifs. Voilà. Et... Il est mort. Je crois qu'il y a encore quelque chose. Bon, vas-y, je fais comment pour la sauver, elle? Voilà. Je voulais que ça brûle. Mais brûlez tous! Putain! Le mec il prend 1000 ans à acheter son allumette de merde là! Encore quelque chose. Tiens, paye-toi un briquet, poteau, paye-toi un putain de briquet. Il y en a d'autres qui c'est pas cher, t'en trouves à 2 balles, t'en as 3 dans le paquet. Allez, vas-y là! On recule! Putain de boulot! Ouais, je te jure, le gars, il a pas assez de sous pour se payer un briquet. Défendez-vous. Dans le jeu, t'es riche quand t'arrives à trouver le briquet, alors. Voilà. Putain, enfin, il fait ce que je veux. Bon, je dois faire quoi avec elle, là? Ouais, super. Zooper! Vache! Vas-y, juste... sauve-la vite. Viens jeter un coup d'œil à ce truc. J'arrive pas à l'ouvrir. Je crois qu'il y a un autre panneau de commande par ici. On n'a plus beaucoup de temps. Où y va ce tuyau? J'y vais. Dis-moi ce que je dois faire. On est y part. Vas-y, je vais faire ça vite. Magnifique. Oh putain. Je sens que ça va tout m'arriver dessus, ça. Vas-y, meuf, je vais te sauver, t'inquiète. On est à là. Regarde le panneau de commande, il a le même type de cadran, non? Ouais. Ouais, un en haut et un en bas. Règle celui du haut sur 22 et celui du bas sur 5. 22, celui du bas sur 5. Si, si, poteau. On l'a sauvé. Bah là, il y a tous les mecs qui étaient en prison qui vont débarquer là. Je le sens, ça pue. Non mais attends, c'est quoi ça? Joseph! Kidman! Ils sont tombés. J'ai encore mon coéquipier normalement là, il est. Ok, on est bon là, quoi.
Oh là, mais je saute direct dedans, mais... Le gars, c'est de plus en plus un warrior, ma parole. Le type, rien ne l'arrête. Toi, j'aime pas ça. Je peux pas les brûler? Ah bah, vous me dites que je peux pas les brûler, mais c'est sûr qu'ils vont se relever, eux. Vous voulez pas que je les brûle, hein. Vous voulez me faire peur, c'est ça. T'es mal à taille fine. Je prends du spécial K le matin. Allez, vas-y, là. Ok. Moi, c'est comme ça que je m'occupe de vous. Brûlez. C'est bon? Vous êtes bien? Merci de me rendre des balles, toi. C'est sympa. J'apprécie. C'est quoi, ce truc-là? C'est un trou? C'est une tâche? C'est quoi? Tais-toi, tais-toi. Non, mais ne réponds jamais. Ne parle pas. C'est du sang? Ah ouais, c'est du sang. Je sais pas où je dois aller. C'est horrible ici. Mais oui, c'est clair. Oh là, t'es mal les goules. Attends, sinon c'est des goules, ça. Les vieux trucs des souterrains, ça voit jamais le jour. Oh putain. Joseph! Vas-y Jojo, j'arrive. À la recherche de mon pote Jojo. Ah, beurre. Tout ce que j'aimerais pas, c'est qu'il y ait un de ces monstres invisibles de mes deux, là. Kidman, tu es là? Nicole. Nicole Kidman, t'es là? Ça, c'est pas bon, ça. Toi, t'es un cadavre, toi. Vas-y, poteau, lève ta lampe plus, on voit rien, là. C'est trop bizarre. Là, je peux pas brûler les corps. Comme s'ils voulaient tous revenir après. Ok, point de contrôle. Je peux pas brûler les corps, là. Je suis presque sûr qu'ils vont tous revenir après. C'est pour me faire des blagues, ça. Ils adorent me faire des blagues. Le jeu aime me feinter. Mais ça serait pas du jeu, parce que s'ils reviennent après qu'on peut pas les brûler, ça veut juste dire que le jeu a bel et bien décidé de te fister. Enfin, il a décidé de te fister de base, sinon il aurait pas existé, mais... Enfin, je me comprends, voilà. Titi, non mais tais-toi, tu sais pas ce que je vais dire. Ça serait tricher. Oh ah ouais, ok. En fait, je me refais le petit tour dans le bassin parce que j'adore ça. Donc maintenant que j'ai bien pataugé dans le sang... Il y avait un panneau ne pas entrer, mais j'ai entendu du bruit. Oh putain, toujours les ghouls. Ils sont morts. Sinon là, ça fait 6. 6, ça fait quand même beaucoup. Je me barre, je vous laisse entre vous. Continuez de faire votre petite fête, là. C'est la fête! Ok, putain, je vais sauter là-dedans. Bon. Pourquoi cette musique? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a au fond? Ah, oh, j'ai vu ce qu'il y a au fond. Y'en a d'autres derrière moi ou quoi? Tiens, brûle aussi toi. Tu fais pas chier. Tu veux brûler aussi? Pourquoi t'as pas voulu brûler toi? Pourquoi? Moi je te défonce, poteau. Tiens, Sébastien. Mange ça et tais-toi. Tiens, viens vers moi, poteau, viens de brûler, là. Ah bah, tu brûles déjà plus. Tiens, continue de lui tirer dessus, toi, t'as des balles à l'infini, pas moi. Vas-y, flingue-le, là. On est en train de le victimiser, le zombie. Ah, il victimise mon pote aussi. On va bien. Quelques bleus, mais ça va. Et hop. T'es où, toi, la meuf? Je te vois même pas. Tiens, mais prends plus si t'as besoin de plus.
Ouais, quand je fais ça, ça me nique mes kits de soins ou pas? Ah non, je suis en stock max. En fait, je vais juste vers lui et je le soigne. Oh la magie. Ah la magie, j'aime la magie. Ok, d'ailleurs, moi, hop, une petite. Si vous n'étiez pas venu. Comme ça, on est au calme. C'est injecter un petit peu d'héro là, hop. Comme ça, on plane. Ah, mettez-la. La porte semble verrouillée par le côté. Sébastien, peut-être qu'on peut la soulever pour que Kidman passe en dessous et l'ouvre de l'autre côté. On compte sur vous. Ça marche. Ah ouais, bonne idée. Ouais. La pauvre meuf. Ah, tu vois, t'as sauvé la vie, donc hop, on t'envoie direct te faire tuer. Bonne chance. Là, on lâche la porte et... Bonne chance, Kidman. Bonne chance, Nicole. Je suis un expert bruiteur. Allons-y. Ok, trop facile. Et pourquoi Nicole, j'ai pas sa petite tête là en dessous de la tête du mec? Elle va mourir, elle va partir. Moi, je pense que c'est parce qu'elle va partir vite, non? Dans du coup, on dirait que c'est pas ma coéquipière. On va en un seul morceau. C'est bizarre. Pourquoi vous capturer au lieu de vous tuer? Peut-être que je ne suis pas une menace pour lui. Lui? Oh! Oh! Oh là! Oh l'horreur! Encore une porte avec ce symbole. Oh l'horreur! Ah, j'ai plus de collègues! Mais non! Ah, je me retrouve à nouveau tout seul. Putain, j'en ai marre de me... Oh! C'est quoi ce truc là? Ah, les mannequins, je déteste ça dans les jeux, les mannequins. Ok, faire part de mariage. Les inspecteurs Sébastien Castellanos et Mira Hansen ont l'immense joie de vous convier à la célébration de leur union samedi 17 septembre 2005 à 12h30, hôtel Véranda Crimson City. Une réception suivra la cérémonie. Ok. Ok. Oh! Je m'y ferai jamais. Putain, je m'y ferai jamais. Ok, on est reparti dans le cauchemar. Il y a un mannequin sur le lit, je hais ça, mais je hais ça. Tu mets des mannequins, machin, ça fait vraiment trop penser à Silent Hill, tout ça. Il y a un peu trop de bruit à mon goût, là, dans tout ça. J'avais pas vu qu'il y avait ça ici. Le piège qui sert à rien, mais à rien du tout. Nique ta race. Tu sais quoi, viens là. Ça te convient, c'est bon? Bon bah j'ai niqué ma dernière allumette parce que sinon il allait se relever. Et bien sûr, il y a encore cette pute. Bah voilà. Et là il y a un mannequin. Ça me plaît absolument pas. Mais alors pas du tout. Parce que je me dis que ça met... Il n'y a pas des mannequins dans les égouts pour rien, tu vois. Et le jeu... Vu qu'il est hardcore. Oh! Ah, j'ai peur de mon ombre. Oh, mazette. Oh, mazette. Ah! Ah!
Oh, putain, mais moi, quand je vous disais que là, il y avait un truc qui me faisait peur, cette pièce, faut pas y aller, en fait. Non, mais sérieux. Donne-moi ça. Non, mais sérieux, je peux avancer ou je vais me faire exploser? Des trucs à brûler, des flaques d'huile, un câble. Est-ce que c'est un piège aussi, non? Putain, comme c'est glauque. Voilà, lumière rouge. Mauvais signe, pas bon du tout. Lumière rouge égale ça plus. Je vous dis, quand il y a lumière rouge... Voilà, voilà, j'en étais sûr de ça. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Là, cette flaque, c'est pas pour rien. Je pense que je vais la niquer avec cette flaque, la meuf. Moi, je suis chaud, là. Ah, putain, je hais ce bruit. Je le hais. Elle est où, là? Voilà. T'es morte? Ah ouais. Le feu, ça a l'air de marcher. Oh putain, mais est-ce que je flippe? Bah oui, ça marche depuis le début le feu, poteau. Mais bon. Magnifique. C'est bon, elle est plus là. Elle est là, la statue. Ah ouais, mais poteau, c'est quoi ce délire? Bon, on va viser large. Hop là. Bien, c'est peut-être un peu bête, mais bon, je suis sûr qu'au pistolet, j'aurais niqué au moins 6 balles. Bon, cette fois-ci, on va le baiser. On va essayer pas de me feinter, là. Je sais même pas si moi, mes dégâts, ça lui fait un truc ou pas, ce monstre de merde, là. Vas-y, viens là. Ok, viens là maintenant. Vas-y, viens, viens, viens. Plus vite que ça. Je vais prendre ça au cas où. Je te brûle celui-là. Là, je sais pas quoi faire maintenant. Je sais pas quoi faire maintenant. Elle est où? Je sais pas où elle est. Tiens, brûle. Putain, la musique, elle fait que bugger dans mon oreille, là. Putain, déjà qu'elle est horrible. Il y a encore une ici. Il y avait derrière. Vas-y, je vais le démonter, ma sale pute. Tiens. Tu me dis quand t'es morte, hein. Allez, vas-y, là. Prends bien ton temps, surtout. Oh putain! Vas-y,
Oh là là. Elle est morte. Ah putain, je te jure, non mais le truc quoi. C'est bon, hein, de la bonne morve de monstre. Il a l'air de kiffer ça, mon bonhomme. Oh putain, mais la panique. La panique, mon pote, la panique. J'avais dit que je la baiserais, cette connasse. Ferme ta gueule, salope. T'as que faire enculer. Tiens, putain, j'ai commencé, j'étais frais. Je suis cadavérique. Elle est morte, du coup, là, j'espère. Je crois qu'elle est morte. Je crois qu'elle y est passée. Et je suis traumatisé aussi, là. Poto, je suis victimisé. Tu le lis dans mon regard, là, j'ai pris 50 ans, là. Je suis victimisé, je te dis. Oh! Rentrez. Le dossier du sujet évoque un retard de développement, ainsi que des problèmes de communication, de cognition sociale et de comportement répétitif. Oh, ok. Signe de synesthésie manifeste. La généalogie évoque une forte sensibilité aux stimuli extérieurs, avec capacité d'adaptation. Serais-tu ce que je cherche depuis toutes ces années? Donc là, on a Leslie et Rudy. Incroyable. Ça ne fait plus de doute. Il est bien compatible. Oh! C'est quoi ce truc d'aigle? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un cerveau? Alors, pour ce que je dis tout de suite, vous êtes absolument pas mon genre. En fait, je suis en train de les déconnecter là, si je comprends bien. Il reste pas beau là. Ok. Je les ai tous su là. Chapitre 5 terminé. Yo, et bah voilà, c'est la fin de cet épisode, donc du chapitre 5, là, cette fois-ci. Je crois bien que c'était le pire de tous. Je me filme presque en confession, là, je suis carrément traumatisé, victimisé. J'ai l'impression qu'on m'a souillé, donc voilà. Abonne-toi, poteau, aussi. Abonne-toi, c'est pas tout de liker, de partager, de commenter et tout, mais abonne-toi, mec, moi, ça me fait plaisir. Je te dis à la prochaine, ciao, ciao, et repose-toi bien.